Ça va. Oh là 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 là. Bonjour et bienvenue. Ça va bien l'opportuniste? C'est con, hein. Bah, il fait beau. On va rempiler. Alors, attendez. Choup. On va manger. Donc, la dernière fois, on a trouvé un élan. On a trouvé des loups. Ça a mal fini pour les loups, surtout. On a un peu d'eau. Ça baisse assez vite, l'eau, quand même. On a trouvé une grotte. On a trouvé notre premier. Ça, on va laisser. Ça, on laisse. Ça, on prend. Je vais être honnête, je pense pas qu'on va avoir besoin de réparer la scie. Je vais être honnête. Mais bon, on va continuer à garder ça, mais je crois que c'est pas utile. Peut-être qu'on pourrait même déposer 5 morceaux de métal, honnêtement. J'ai envie de dire. Parce qu'il y a... Je sais pas. On va rester comme ça, on a bien fait comme ça, on va garder comme ça. Donc, la dernière fois, on a trouvé... refuge ici, on a trouvé notre première caisse, première cargaison de fret. Ok, on est bon. J'oublie rien. Ok, 6 c'est bon, on n'a pas besoin d'en prendre plus. Je crois qu'on est bon, bingo. Allez, on y va. Ah, on y va. On a trouvé donc notre première cargaison de fret, on a trouvé du thé et des tisanes et du café dedans. Un peu froid, c'est pas grave. C'est pas mal. On a trouvé aussi donc un élan. On l'a pas tué parce qu'au final, bah, ça nous servira à rien, honnêtement. Par contre, on a tué des loups qui sont encore là. Plus un troisième dans la grotte. Et on a pris refuge dans la grotte. Et ça s'est très très bien passé, honnêtement. C'est très bien passé. Donc, voilà. Donc, à chaque fois qu'on ouvre un compartiment, en fait, de la cargaison de fret, c'est 5%. Donc, ça peut aller vite, quand même. Ça peut aller assez vite. Mais voilà, on a aussi trouvé une photographie, un Polaroid, donc ça c'est cool, donc on fera ça aussi avant de partir. Mais pour le moment ça se passe bien, pour le moment ça se passe ok. Donc si je me rappelle bien, on descend là et puis après on aura un chemin, c'est droite ou gauche, et je crois qu'il faut aller vers la gauche et après il y aura une corde, etc. Ça sera cool, je pense que c'est comme ça. Comme j'ai dit, je connais la zone mais pas par cœur. Donc... Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est ça. Aussi, pourquoi... Ah ben, aux échos. Pourquoi on n'a pas combattu l'élan? C'est parce qu'on commence à être un tout petit peu à court de flèches. On n'en a que 7. Et il y en a déjà au moins 4 qui sont déjà mal en point. Donc elles vont commencer à se casser les unes après les autres. Donc on préfère un peu les garder. On a dû combattre déjà, tuer la dernière fois les deux loups, c'était pas nécessaire honnêtement. Mais bon, ils étaient un peu en plein milieu de notre chemin à chaque fois, donc c'était dangereux. Mais voilà, c'est un peu notre résumé, ça se passe bien. On va un peu sprinter. Il y a quoi? Un cul-de-sac je crois là. Oh, un cadavre. On va prendre un peu de bois aussi. On va prendre un peu de bois pour faire du feu. Mais je pense pas qu'on va avoir besoin de faire du feu. Besoin de... C'est français ce que je viens de dire? On va pas avoir besoin de faire du feu. Non, si, c'est bon. C'est une bonne phrase. Des fois, j'ai... Hein, des fois, t'as le cerveau qui bug. C'est pas grave. Ça arrive. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on devrait trouver une grotte. Potentiellement. Pas loin. Pas loin de la corde à prendre. Donc, du coup, ça devrait bien se passer. Et en parlant de grotte... Non, ça c'est un mur. Ok, là on a l'engin. Le moteur. Je sais pas s'il y a une... Ah bah allez, là, la grotte. Je sais pas s'il y a une caisse de fret, je sais pas, va falloir regarder. Là on a un crotte-couvre, on a un ordinateur, je me demande s'il s'allume pendant les aurores boréales. On va se mettre derrière. Oh, c'est quoi ça? Du bois, très bien. Ok, on peut se réchauffer ici, on va manger ça. On a 42 kg, mais bon là on a trouvé une bûche aussi,
Une petite bûchette et pas de Noël. Donc on a ça. On va se réchauffer. S'il faisait lumière, ça veut rien dire. S'il faisait un peu meilleur, genre avec qu'il y ait de la lumière, enfin qu'il y ait du soleil, on pourrait faire du feu avec. Comment ça s'appelle ? Avec la loupe. Et du coup, je me ferais du thé, on se réchaufferait du thé et tout, ça serait bien. Mais bon. Là, il fait pas. Fait pas assez de lumière, donc on va pas le faire, sinon ça va nous prendre des allumettes. J'ai pas envie de quand même de gaspiller des allumettes non plus. Donc on arrive là, je sais pas s'il y a du monde ici. Alors il devrait avoir une corde sur notre droite à prendre. Ah merde, elle est là la corde. Aïe 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 aïe. Chiant. Je crois qu'il est là le conteneur. Un cadavre là. On va dessiner. On pourrait dessiner là, honnêtement. Ouais. Ok. Alors, après, il y a aussi une autre grotte avec un intérieur en fait. On va peut-être aller là-bas pour se réchauffer plus facilement. Parce que là, il fait un peu froid en fait. Okay. Oh mon dieu, on a tout ça? Ok, alors on va falloir faire le tri. Putain, je pensais pas qu'on pouvait trouver autant de choses. Ok. Pas mal, il faut le dessiner sur la carte. Cargaison. Bon, j'ai peur que tous les vêtements soient un peu inutiles. Je crois qu'il n'y a que des chaussettes. En plus. Je crois qu'il n'y a que les chaussettes qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y a un passage? Non. Il est où le passage? Ah non, c'est là-haut! C'est là-haut, je suis bête. Ouais, il faudrait dessiner cet endroit. À la limite, on dessinera quand on montera la corde. Ouais, on va faire ça. On va dessiner quand on va monter la corde. Parce que, alors là, il y a une grotte, comme j'ai dit, là, il y a la grotte qui est sympa. Mais il y a une grotte un tout petit peu plus loin, genre 2-3 pas plus loin. Et c'est une galerie en fait. Donc du coup il fait beaucoup plus chaud. On n'a pas le problème du froid. Et on va commencer ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on va un peu sprinter, poser le sac de couchage, dormir une heure, etc. Comme ça on avancera un peu plus vite. On découvrira les zones un peu plus vite parce que c'est quand même un peu embêtant en fait le froid et tout. Donc je voudrais un peu sprinter quand on est à l'extérieur. Parce que sinon on va perdre beaucoup de vie à chaque fois. Ah voilà, elle est là. Et normalement ça c'est une galerie. Yes, ok, parfait. Fouf. Attends, on a trouvé quoi? 5, 6 vêtements? 7 vêtements peut-être? Grotte. Bon par contre, ouais, c'est la grotte un peu noire, complètement noire, putain on voit rien du tout. C'est un peu dangereux. L'eau elle me fait un peu peur, l'eau, il va falloir en refaire de l'eau. Alors, fais voir un peu les vêtements, parce que là on a trouvé plein de choses. Ah non, c'est des chaussettes de sport, jean. Ça détruit, on a ça. Ça c'est en laine, mais nous il nous faut des escalades. Ah ouais, non, en fait il n'y a rien d'intéressant.
Il n'y a rien d'intéressant. On a du tissu, c'est pas mal. Ça nous fait du tissu. 10 minutes, le temps qu'on se réchauffe un peu. Alors, est-ce qu'on prend la corde directement ou pas? Parce qu'elle est encore en pleine forme, j'ai envie de dire. Ah ouais, mais on est à 43 kg. Ah, mais ça sert à quoi de rester à l'extérieur? Attendez, 43 kg. Il faut qu'on prenne une corde. Elle est un peu fatiguée. On va devoir laisser donc nos vêtements, les vêtements qu'on vient de trouver là. Après, si on prend la galerie, en fait, on peut la prendre, mais elle va pas où on doit aller. Attendez, on va déjà la dessiner. En fait, la sortie ne va pas où on va. Et on peut pas vraiment l'utiliser pour monter au sommet. Donc c'est un problème. Je vais faire ça. Très bien. Ah, il fait pas très froid. Et il fait... Attends, dis-moi que... Yes, ok. Ok. Alors ce qu'on va faire, on va retourner à la grotte. Et on va faire du feu à l'intérieur. Parce qu'en fait, on ne peut pas passer par chemin, ça sert à rien. Donc on redescend. On va faire du feu grâce à la loupe. On va faire un... un thé, on va faire chauffer un thé et on va déposer tous les vêtements là qu'on a en trop dans la grotte, et la grotte ça sera un peu notre réserve. On va faire grotte par grotte, vous voyez ce que je veux dire, donc ça sera tranquille. Par contre, je voudrais bien dessiner, on va dessiner là. Mais je sais. Ok, conteneur de fret, c'est bon, elle a tout dessiné. On va dormir aussi. Une heure au moins. Vous voyez, c'est pas très très dur en fait à avancer ici. Parce que imaginons qu'il fasse vraiment très froid, genre blizzard de fou. Et que cette grotte soit pas assez pour nous réchauffer. Et ben du coup, on peut aller à l'autre qui est juste à côté. Vous voyez, donc c'est pas extrêmement compliqué en fait à se balader. C'est juste que bon, moi je le fais vraiment doucement. Je prends mon temps et tout, etc. Donc voilà. Mais on n'a pas besoin de... Voilà, c'est pas dangereux. Après, oui, il y a des loups et partout. Et c'est un peu des cou... En fait, c'est ça, j'imagine. Le problème, c'est que c'est des couloirs à chaque fois. Et vu qu'il y a des animaux, il y a tout le temps genre des loups un peu à droite, à gauche. Donc du coup, c'est ça, en fait, le risque. C'est de tomber sur des loups et d'être en ligne droite avec un loup, quoi. Je crois que c'est plutôt ça, le gros risque. Ok, très bien. Donc je voudrais dormir une heure. Déjà, pour qu'on se réchauffe et que tout soit en pleine forme. Alors d'abord, on va regarder un peu ce qu'on a comme comme poids. Est-ce qu'on pourrait... Alors je vais pas boire parce qu'on va prendre une tisane, on va faire un feu avant. Alors on a des choses à poser, donc genre ça. Alors, les chaussures, je voudrais bien les garder, mais les chaussures, elles vont... C'est une heure et quelques pour les détruire, donc c'est pas vraiment... C'est embêtant, quoi. Peut-être que quand on revient, André redescendra, on les prendra. Mais pour le moment, non. C'est bon, on a tout viré. On a eu quoi? On a eu deux, un tissu en plus. Que la moyenne. Ok. Ok, donc là, on dort. Et après, on fait un feu vite fait. Juste le temps de se bien se réchauffer et de reprendre un tout petit peu de force. Parce que j'ai un peu sprinté. On va voir un peu. Est-ce qu'elle est en pleine forme? Ça passe. J'ai envie de dormir encore une petite heure. Je dirais pas non pour dormir encore une petite heure, honnêtement. Après, je sais pas si on a vraiment besoin de prendre la corde. Est-ce qu'on peut pas faire le tour, là, par là, comme ça?
J'ai envie de tester, mais je crois que la corde, c'est vraiment le bon passage, en fait. Alors, on va garder ce que je connais. Par contre, j'ai envie de dormir encore une heure. Ouais, j'ai envie de dormir encore une heure. Parce qu'on va vraiment se fatiguer. Après, bon, on a le café, hein. On a le café, donc si jamais on a des problèmes, go go café. Ok, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Est-ce qu'on y fait toujours jour? ?0%, très bien. Donc je viens de gâcher mon... Ok, c'est pas mal. Donc on peut pas faire de thé. On est à 39,76. Bah, c'est parfait, on a qu'à y aller. On n'a qu'à y aller. On va peut-être boire du coup, comme ça, ça baissera un peu le poids. Okay. Ouais. Avant de partir, on va faire ça. Matériaux. Okay, cool. Let's go. Eh, il fait pas très froid. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Alors, je sais pas si... Ouais, il faudrait que je revérifie ça, parce que moi, je prends la corde tout le temps. Mais au final, peut-être qu'on peut faire le tour à pied. C'est juste que la corde, ça va plus vite, quoi. Mais ouais, peut-être que par la gauche, on peut... Faudra voir. Faudra voir s'il y a une route en fait qui va sur la gauche et qui redescend. S'il y a une route qui va sur la gauche et qui redescend, c'est qu'on peut. On va essayer de le faire en une fois. On va peut-être s'arrêter à droite. Fatigué en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un café ou pas? Va falloir bien les utiliser un jour les cafés quand même, non? On a récupéré un peu de... Ok, go. Et oui, il faut bien un peu les utiliser un jour, les cafés aussi, hein. C'est sinon... Ah, très bien. Parfait. Est-ce que je vais faire ça maintenant? Parce que là, on est en hauteur. Ok, très bien. Ok, maintenant, on trouve un endroit pour se protéger du froid. Il y a le vent qui fait un peu chier. Ce vent... On a bien le sac de couchage. Hein. Toujours vérifier en cas où. Hein. Je sais pas si c'est par là ou par l'autre côté en fait. Genre droite ou gauche. Je sais pas, on va voir. Je suis en train de me dire qu'on a pris la corde pour rien en fait. Vraiment en train de me dire ça. Là on est un peu protégé. Ouais, je crois que ça sert à rien en fait. On fait un feu là. Ah tiens, il fait chaud. Ouh, il y a des allumettes. I'll take it. Ouais, cool. Ça tue, pardon. Ça tue.
Ah, je crois que ça servait à rien du tout. Ok. Ça servait à rien de prendre la... la corde. Peut-être c'était cul-de-sac, hein, je sais pas. Je sais pas. Par contre, on va finir notre café. On est lourd, mais on a de la, on a du bois, donc on va pouvoir en faire du feu. Il faudrait trouver une grotte, en fait. Je préférais trouver une grotte, honnêtement. Alors, on va voir si c'est vraiment là ou pas. Non, là, c'est cul de sac. Ok, je me rappelle. Vous voyez le rocher au-dessus? C'est pour mettre une corde, en fait. C'est pour mettre une corde. Donc, c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté, il faut aller. Ah, la corde, on peut la trouver en haut, je crois. Je crois qu'il y a toujours une corde à trouver en haut. Plus trop sûr, mais bon, déjà on peut se mettre là. On a pas mal de bois, donc il faut juste un endroit en gros pour s'abriter, pour passer quelques heures ou la nuit même. Alors... je crois qu'il y a une grotte pas loin encore, mais je sais pas si elle est vers le bas ou vers le haut. Ça, c'est des lapins. Je pense que la grotte elle est vers le bas, vers la droite. Vous voyez, c'est ça qui est un peu compliqué ici au Mont Timberwolf, c'est de chaque fois trouver le bon sens pour les grottes. Mais une fois que vous les connaissez par cœur, honnêtement, il n'y a pas de problème. Mais il faut les connaître par cœur, mais je ne les connais pas encore par cœur. Et des fois, il y a des chemins un peu étranges, genre là, on est obligé de passer sur le côté, ou je crois qu'on peut passer entre les rochers, mais je suis pas sûr. C'est un peu embêtant. Je pense qu'il y a encore une corde à prendre, et après ça sera la dernière, je crois. Je crois que ça sera la dernière corde. Ah, je crois que c'est là-bas la grotte, vu la couleur de la roche. Ouais, là-bas on voit la corde, c'est là qu'on doit aller. C'est là qu'on doit aller, corde. Ok, donc il faut qu'on se repose. Il faut qu'on se repose, faut qu'on trouve un endroit pour se reposer, et je pense que c'est là-bas. Bon bah voilà, ça, on avance hein, doucement, c'est bien. Faut qu'on se réchauffe. On a encore de la nourriture, on a même des lapins si on veut, mais on va pas le faire, parce que ça sert un peu à rien. On a encore de la... Ah, il y a encore un totem. Enfin, pas un totem, mais un truc. Ouais, grotte juste là, on va prendre ça. Bien. Là-bas, il y a du bois à prendre. Je le vois en face. Du bois à couper. On pourrait y aller. Ouh. Très bien. Bon, bah c'est bon, on a trouvé notre nouvel endroit. C'est un peu stressant, hein. C'est un peu stressant, mais comme j'ai dit, il faut y aller doucement. Prends son temps. Pas, hein, faut pas brusquer les choses, voilà. On est toujours au risque d'hypothermie très bas, tout le temps. On est à 42 kilos, ça c'est parce qu'on a beaucoup de bois sur nous. Alors ça, voilà. Très bien, et après on a les morceaux de bois. Très bien, on a un livre, on peut lire. Je voudrais peut-être faire de l'eau. À la limite. Ok. Bon, on va passer notre nuit ici.
Il vole pas là le truc, si il vole. Faut que ça soit beau, ok? Ok, on est bien. C'est quoi la limite? Ah, c'est là, ok, ça va, on a le temps. On a de la place et on fait le feu là. Ouais, parce qu'on va faire un feu. On va faire un feu. Pas maintenant directement, mais on va faire un feu. On va pouvoir lire aussi. Je voudrais bien lire le livre, comme ça on peut le jeter après. Parce que ce livre, c'est pour le feu. Et honnêtement, c'est très très intéressant pour nous. Allumage de feu. Ça pourrait vraiment, vraiment nous aider. Ça pourrait vraiment nous aider. Elle est un peu fatiguée. Alors, il nous faudrait de l'eau aussi. Je pense qu'on va aller récupérer un peu plus de bois. On va dormir et le matin, on va faire un gros feu. Le temps de faire de l'eau et tout ça. Donc, à la limite, je suis en train de me dire, pourquoi pas aller prendre du lapin. Parce qu'on n'a plus que ça. Donc, je me dis, pourquoi pas aller chasser le lapin. Donc on avait vu un lapin, c'était quoi, deux lapins sur la droite. On va aller sur la gauche pour aller prendre les morceaux de bois. Et on va voir ce qu'il y a aussi. Le temps est pas trop pourri. Ah, on pourrait peut-être faire un feu avec la lumière à la limite. Mais bon, elle est fatiguée, ça qui est embêtant. Ah, ça tombe vraiment mal à chaque fois. Genre quand elle est en pleine forme, la lumière s'en va. Enfin, le soleil s'en va. Quand elle est fatiguée, il revient. On va se déplacer comme ça, ça on n'a pas le vent. Voilà, c'est bon. C'est quoi ça? Genre c'est une caisse ça devant l'arbre? Je sais pas ce que c'est. Ah, il y a des lapins. Ah non, c'est un tronc d'arbre. Il okay. Y a des lapins, parfait. Ouh, tout ce qui est à droite. On va prendre ça aussi. Par contre, j'étais en train de réfléchir. On a laissé genre le café et le thé à un endroit. Mais le problème, c'est que cet endroit, on va pas y retourner. J'étais en train de réfléchir. Parce que quand on va descendre, en fait... On va pas retourner par là, parce qu'on peut descendre directement par l'avant de la falaise. Et du coup, ça nous fait... ça va très vite. Mais du coup, on se retrouve directement tout en bas. Donc je crois qu'on va devoir faire demi-tour et tout ça. Ça va être un peu étrange. Je sais pas comment on va faire. Parce qu'il faut récupérer le thé et le café. J'aurais peut-être pas dû laisser le thé et le café. Enfin, ça fait un kilo après à chaque fois. Non, ça fait un kilo. Non, on a bien fait de le laisser. Parce que sinon, on n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas pu grimper et tout. On va prendre ça. C'est pas grave, on fera le chemin inverse, honnêtement. On se débrouillera. Hein. On se débrouillera. Il faudrait que je me fasse un mémo de pas descendre, en fait... la zone directement, comme ça on retourne dans nos grottes et on récupère le surplus. De toute façon après on n'aura plus besoin de monter, on sera tout en haut, donc il faudra juste descendre, donc ça ira beaucoup plus vite. Attendez, je vais faire ça. Oh, très bien. Mais ouais, en théorie, une fois qu'on est tout en haut, on peut directement descendre... Oups. Descendre. Mais bon, c'est pas grave. On a au moins le thé et le café à prendre. C'est le plus important. Après, le reste, on s'en fout. Pour le moment, on n'a rien laissé d'important. Là, on a plein de bois, par contre. À la limite, les bois, ça peut être important. Je sais pas, on ressort avec les bois. Ouais, mais bon, après, il faut... Enfin, c'est toujours le même problème, en fait. Du Mont Timberwolf, on va ressortir. Il faut tout le temps prendre une corde. Donc, il faudra faire un tri. On peut pas se balader avec 50 000 choses, il va falloir quand même faire un tri.
ou alors plusieurs allers-retours. Et ça, ça va nous prendre plusieurs jours. Parce qu'à chaque fois, il faut se reposer. Donc, on va voir. Ah, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile à chaque fois, hein. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, c'est bien, c'est fun. Hein. C'est vrai que... sur le coup... très bien. Le poids est là. Et le poids là, on va mettre le poids comme ça. Très bien. C'est vrai qu'on va devoir taper dans les réserves d'ours, je crois. Ah non, on va prendre ça si jamais on a vraiment besoin de manger. Genre que on n'est pas assez à manger jusqu'au lendemain. Le temps qu'on fasse cuire le lapin et tout ça, on mangera les réserves, les barres de chocolat et tout ça. Par contre, avant qu'il fasse complètement nuit... Je l'ai marqué sur la carte ou pas? Non, j'ai pas marqué sur la carte. Après, moi, je voudrais bien faire des endroits en cailloux, là. Pour... comme ça, on peut marquer ce qu'il y a dedans et tout ça, mettre des noms. Mais bon, hein, comme on en avait déjà parlé plusieurs fois, hein, genre 50 cailloux et tout ça, non merci, j'ai pas envie de... En plus, trouver 50 cailloux au même endroit, au Mont Timberwolf, merci, bien. Mais ça, ça va pas le faire. Donc... la viande, elle est là. On fera cuire ça. Je crois qu'on va aller dormir directement. Je suis pas très heureux en fait du bois. Je voudrais récupérer un peu plus de bois. Avant de dormir. Si jamais il fait froid... Non, 58 minutes, ça va être trop. On va toucher ça. Son histoire n'a pas encore été écrite. Cadavre là-bas. Je fais ça pour les lapins, si on peut en prendre encore un ou deux. Il fait pas trop froid, donc on peut avancer encore un peu. Mais... ah non, elle va se casser un truc. J'aurais pas dû passer par là. Ils sont où les lapins? Parfait, c'est ce que je voulais. Bon voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Donc on va dormir et après on va continuer encore un peu. Notre épisode n'est pas terminé. On va prendre la corde et on va s'avancer encore un peu plus. Et il faudra retrouver encore une grotte, etc, etc, etc. Ah oui, non, 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 non. On va faire cuire, comme j'ai dit, j'avais déjà oublié.
Alors, peut-être qu'on pourra pas... On pourra peut-être pas prendre la corde directement. Comme j'ai dit, il va falloir faire de la nourriture et tout ça avant. Donc c'est possible qu'on soit un peu bloqué ici pendant encore une journée. Donc on va peut-être pas avancer trop. On va voir. On verra, on verra. On a plein de thé aussi. Très bien. Attends, peut-être deux. Ouais, deux. Voilà, c'est bon. Du coup, on va peut-être boire un thé à la place. Ça nous mettra un peu de 1025. Ah, très bien. Voir un peu les calories. Ça va être juste, mais on mangera les barres de chocolat et tout ça si jamais on a un problème. Ok, on va dormir. J'avais oublié. Et on est bon. Donc, ouais, on va devoir faire de l'eau et on va faire cuire toute la viande qu'on a. Oui, enfin non, de toute façon, on n'a pas besoin de se balader, honnêtement. Hop, hop. Ah oui, par contre, peut-être lumière, ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait. Et non! Donc, on va faire cuire ce qu'on a là. Et on va faire de l'eau aussi. Attends, on est bon, là on est bon, on est bon. Okay. C'est pour le vent en fait, si jamais il se lève. 7. Ok, très bien. Donc on va faire ça. Et ça va être plus ou moins, je pense, la fin de l'épisode. Je pense pas qu'on va avoir le temps de monter la corde et tout ça. On a bien avancé quand même, on a bien avancé. On avance doucement, doucement, mais on avance très bien. On a fait encore une cargaison de fret. On a pris la corde, on a récupéré à manger. Ça, très bien. Attendez, on va prendre tout ça. Oh, très bien. Faut qu'on fasse de l'eau surtout, surtout l'eau en fait, le problème. J'avoue que, encore une fois, si on en avait deux au moins, c'est vrai que j'aurais dû peut-être en prendre une deuxième. Ouais, 1 heure, on va faire ça. On va peut-être mettre une bûche directe en fait dedans. 3 heures. Peut-être un peu beaucoup, 3 heures. Ouais, très bien, on prend ça. Hop. Ça, c'est des tout petits qu'on a, des tout petits morceaux. Mais au moins, on sera à 100%. Et on aura de l'eau. Et on va voir si on peut pas récupérer de la neige. De l'eau, pardon. Enfin, des bouts de bois. Qu'est-ce que je raconte, quoi. Ouais, 1125, on les touche pas. On essaye de les garder le plus possible, ceux-là. Le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, regardez pour des morceaux de bois. On avait bien marqué la grotte. Hein. Ouais, on a bien marqué la grotte. Et après, nous on montera. Attendez, la grotte est là. Oui, nous on montera là-haut. Et on prendra la corde. Et en normalement, je crois que c'est bien la dernière corde. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Il y en a peut-être une autre encore. Je sais plus trop. Mais en tout cas, on arrive près du. Près de l'avion. On va arriver à l'avion. Donc ça va être bien. Hop. On bouille dans 8 minutes. Ça va, c'est bon, arrête de te plaindre là, qu'est-ce que t'as? Je voudrais bien lire le livre, je voudrais tellement lire le livre, mais on peut pas avec ça. Chaque fois c'est 1 heure. Ça c'est embêtant, ça c'est vrai que c'est un peu le côté vraiment chiant. J'ai envie de poser moi le livre. Mais après du coup, ça veut dire qu'on va devoir le récupérer. Parce que ce livre est important. Enfin, il est important, oui et non, honnêtement. J'ai envie de dire.
Si on est tellement proche de l'allumage de feu à 4, à 5, pardon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lire le livre? Parce que là, il n'y a rien en fait qui dure une heure. Là, ça dure 30 minutes à chaque fois, le temps de faire de l'eau. Et après, le lapin, pareil, c'est aussi 30 minutes. Donc ça sert un peu à rien. On va manger. Très bien. Très bien. On n'a pas besoin vraiment de récupérer plus de bois. Très bien. Oups, pardon, touche pas. Encore 4 minutes. Très bien. Parfait. À 30 minutes. Ça se passe bien. Ça se passe honnêtement nickel. Hein. C'est juste que c'est un peu long. Mais bon, au moins on n'a pas de problème. On avance comme il faut. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut prendre la corde maintenant, honnêtement. Je suis en train de me dire... Peut-être que ça passe. Hein. Ou alors on fait un peu plus d'eau. C'est juste l'eau, en fait, qui m'embête. On va voir combien on a. On a 1 litre 5. Ah, on peut peut-être partir, hein. Peut-être partir et on trouve un autre endroit pour se mettre à l'abri. Ça passe peut-être, ça passe. Je pense que ça passe. Elle est assez en bon état. Enfin, elle est pas fatiguée, c'est ça que je veux dire. Si on dort... On va dormir. Je... Je crois qu'on va perdre l'eau. Ouais. Encore 8 minutes. Ramasser, on est à 37. Près 38, 39 avec les deux steaks. Ok, let's go. Ça on prend pas, ça on prend pas. Ok, on est bon. Bon ben... Oui, non, en fait ça sert à rien de... D'attendre plus longtemps en fait. J'ai envie de dire. Non, non, on y va. Bon ben on prend la route. On a tout, hein, on est bon. Hein. J'ai un peu peur en fait à chaque fois. Je me demande est-ce qu'on a tout sur nous. Parce qu'on est toujours... pile en dessous des 40 kilos, à chaque fois je suis surpris. Bon après c'est vrai qu'on n'arrête pas de manger, de boire aussi, on a de moins en moins d'eau. Là j'ai repris le... On va pas sprinter parce que sinon on va se fatiguer. Ça serait bien de trouver un autre shelter, un autre endroit pour se reposer. Parce qu'il va faire nuit après et on sera fatigué. Honnêtement ça va bien se goupiller là, on avance bien. On avance bien. On serre. Puis on n'a pas tapé dans les deux steaks là qu'on a sur nous. Donc non, c'est vrai, c'est cool. Honnêtement, c'est cool. On a notre livre. On est bien. On est full vie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière le rocher. Ouais, bon. Sûrement mon imagination. Allez, go. Alors après... ça va être un chemin un peu long. Alors on va pas être très fatigué, c'est une petite corde ça. Donc on va pouvoir s'aventurer un peu plus.
parfait. Par contre, vu que on va se mettre là, on va faire ça. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Comment ça se fait que j'ai plus de... Ah, ouais, on n'a pas attendu que le... Que le feu s'arrête pour prendre les charbons, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Ok, donc maintenant, recherche d'abri. Par contre, j'ai un peu peur parce qu'on commence à avoir... Je commence à faire un peu le plein de champignons, là. Et je veux pas trop me surcharger en champignons, sinon on va être dans la merde. Je vais peut-être pas tout prendre, il y a des serres. Donc si jamais on a faim... Prends, merci. Ah, ça serait bien de pouvoir dessiner, là. Ok, go, 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 on avance, on avance. On avance. Donc on a un cerf là. Donc nous, on doit aller là-haut. Et pour ça, il faut faire le tour, genre comme ça, par la droite. Enfin, passer par la droite, je crois, et après continuer vers la gauche. Quelque chose comme ça. Après, on peut couper un peu. Je suis pas complètement convaincu. Oh, 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 oh. Il y a des lapins, il y a un cerf. Encore un cerf. Oh, là-bas, il y a une grotte, au fond. Vous voyez là, au fond? C'est une grotte, ça. Donc, on peut aller là. Mais c'est pas vraiment le chemin que je veux prendre, en fait. Enfin, quoi qu'on pourrait aller se réchauffer, là-bas. Pas mal. Par contre, j'entends du bruit à côté de moi. Okay. J'ai envie de tester... 39 minutes... Je suis sûr que dans ces caisses-là, il y a des choses. Je suis sûr qu'il y a des objets dans les caisses. Genre des allumes-feu ou des trucs comme ça. Enfin, pas des allumes-feu, des... de l'essence. Normalement, nous, on doit aller là-haut. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'à chaque fois, il y a des caisses à côté. Je suis sûr qu'il y a quelque chose dans ces caisses. Mais bon, est-ce qu'on a... Est-ce que ça peut être des objets intéressants? Je pense pas. Je crois que c'est que du... Vous savez, les petits réservoirs, là, jaune. Il y a plein d'élan. On va prendre ça. Que des élans, des cerfs, pardon. Est-ce qu'on chasserait un cerf pour manger? Après, j'ai envie de dire, on a récupéré des boîtes là de tomates là, des soupes. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est pas de la sauce tomate, c'est... C'est la soupe de tomate, c'est la soupe de tomate. Donc là, on va se réchauffer là. Très bien. Donc du coup, ce qui est bien avec la soupe, c'est que... On va pouvoir la manger et récupérer la conserve. Parce qu'en plus, on a l'ouvre-boîte. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. On va en manger une. Très bien. Peut-être manger une deuxième. Il faudrait aussi une option pour dire de seulement de l'ouvrir et de pas de la manger. Après, on peut faire annuler, mais bon, ça va quand même en prendre un peu, quoi. Ok, donc du coup, on peut faire de l'eau plus facilement.
Alors, maintenant c'est le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue, on essaye de trouver autre chose? Ou alors on s'arrête là? Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un cerf ou pas? Ça aussi, il faut choisir. Est-ce qu'on chasse un cerf ou pas? On va voir. Ok, c'est bien. C'est pas très fatigué, on peut encore se balader. Et on peut chasser. Bon, là on a des cerfs. C'est bête que j'ai pas de charbon. Après on pourrait faire des... Attendez. Est-ce qu'il y a genre abri? Direction, directionnalité, danger, fouiller à l'image de feu. Non, il n'y a même pas abri. On peut même pas dessiner un signe d'abri quoi. Ça c'est cool. Je pense qu'il y a beaucoup de dessins pour rien en fait. Ils ont mal pensé leur système. Parce que moi je voudrais bien dessiner, genre peindre dans la... Attendez. Peindre la grotte pour dire qu'il y a un abri quoi, vu qu'on n'a pas de charbon. Faire attention que ne tombe pas sur des... J'aime pas quand ça monte comme ça. Ah nous c'est par là. Après j'ai vu on a récupéré du tissu et du métal en plus. Donc ça c'est bien. Là y a rien. Je crois qu'il y a encore plein de champignons et des baies à récupérer. Je pense. Je suis un peu... Je parle pas beaucoup parce que là en fait je suis en train de me dire je crois qu'il y a une grotte mais je suis pas totalement sûr. Au pire on fait demi-tour, il fait pas extrêmement froid. Mais je voudrais m'approcher de la corde en fait. Ou de l'avion. Je sais pas s'il reste une corde ou un avion. Donc je voudrais m'approcher le plus possible, comme ça on peut s'arrêter en fait juste devant. Et on se repose et on fera ça et on finira pour le prochain épisode. Vous voyez ce que je veux dire? Histoire que tout soit prêt, quoi. J'entends du bruit. Un ours, ok. C'est so cold. I just wanna lay down for a bit. Lapin devant. Pas de grotte. J'ai vu, il y avait des baies sur le côté, mais bon, il y avait l'ours pas loin. Je pense que c'est là. Je vois pas de grotte en fait. Genre, je crois qu'il faudrait faire le tour, mais je pense qu'on peut passer par là. Là, on peut prendre des champignons. Quoique, non, on va peut-être faire le tour. Passer par là. Voilà, très bien. Je sais plus.
J'avoue être un peu perdu là. Si jamais dans genre 2-3 minutes on trouve pas d'abri, on redescend. Attendez, nous on vient de là. Enfin, nous on vient. Nous on vient de ce côté. Il y a une corde là ou pas? Non. On dirait qu'on peut mettre une corde par contre. Vous voyez, il y a des corniches. Je pense qu'on peut mettre une corde. Je serais quasiment sûr. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc on continue par là. Et on devrait arriver à l'avion. Mais il nous faudrait une zone pour se protéger. Par contre j'espère... Enfin... Attends, on a eu un ours au début, on a eu un ours là. Ça m'étonnerait qu'on ait un autre ours. Ça m'étonnerait quand même qu'on ait un autre ours. Par contre j'ai l'impression de tourner en rond. On n'a pas trop de bois non plus. Donc faudrait vraiment... une grotte en fait. Non, je pense qu'on... Non, on est bon. Non, non, je m'en rappelle de cet endroit. Là, il y a la chute d'eau à droite. Non, non, on est bon. Je suis... Et normalement, il y a une grotte pas loin. Avec 90% positif qu'on est bon. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, 90% positif. C'est pas une grotte, ça. Yes, on est bon. Ah, c'est bon, on est nickel. On est sauvé. On est nickel. Donc, on a les cerfs si on veut manger. On va peut-être en chasser un ou deux. On a la grotte là. On a ça. On a du bois à couper devant si on veut. Après, on a. Après, il faudra aller genre par là. Et la corde, elle est là. Et ça sera la dernière corde. C'est bon, ça me revient. On est bon, on est bon. Ouh, j'ai eu un peu peur, j'avoue. J'étais pas trop trop sûr de moi, là. J'avoue que j'étais plus vraiment trop sûr. Je vais pas les cacher. Ouais, c'était un peu limite. Ah bah ça va, en fait, on a beaucoup de bois. 23. Ça. Hop. Très bien. Du coup, comme j'ai dit, donc on va camper ici. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut jeter encore? On va manger ça. Donc c'est bon, on est nickel. On peut dormir, on est sauvé, quoi. Faudrait qu'on fasse du feu pour récupérer du charbon. On va poser 2. On est à 85%, même si les pourcentages, ça ne veut pas dire grand chose pour ça. Très bien. Du coup, l'ours qu'on a vu, j'espère qu'il descend pas jusqu'ici. Parce que ça, ça risque d'être un petit problème.
Alors, est-ce qu'on chasse un cerf maintenant ou on attend? Ouais, non, sinon ça va prendre trop de temps. Parce que sinon l'épisode va être trop long et puis ça va être embêtant. Non, non, on va le faire la prochaine fois. Là, c'est bon, on est aux dernières lignes droites, honnêtement. C'est vraiment dernière ligne droite pour l'avion. Donc c'est très très bien. Point de vue équipement, on est bon. On est très très bon. On a encore un livre à lire. On a aussi celui-là maintenant, de nouveaux livres, c'est très bien. On a encore les deux grosses techs, on a encore ça de côté, ça va, on est très bon. On a encore de l'eau un peu de côté aussi, donc si on veut vraiment... maintenant en fer, en plus on peut le faire plus facilement parce qu'on a des conserves en plus. On est très bon. On est très bon. Peut-être que on peut à la limite lire, commencer à lire ça. Ouais, on va peut-être faire lire ça pour que le temps passe, en fait. J'ai envie. À la limite. Si on a de l'eau et on a à manger. Très bien. Vas-y, dis-moi que ça passe. Ok, très bien. Est-ce qu'on est niveau 5 ou pas? Oh non! Je crois qu'il y a l'ours. Y'a rien qui bouge là, on est d'accord. Non, j'ai cru entendre un ouh. Putain, vous avez un. vous voyez le type de bruit, le ouh. Truc d'ours quoi. L'ours qui gémit. Non, ça va, je pense qu'on est bon. C'est quand même super dangereux de dormir ici comme ça. Bon, ça devrait passer. Ok, on va manger ça. Très bien. À la limite, on aurait dû peut-être manger ça. Oh, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Quand on va se réveiller, on va aller chasser un cerf, je pense, et faire du feu. Et on sera nickel comme ça. Donc on a lu, on doit être vraiment très proche du niveau 5. Enfin quoi, ça n'a pas donné grand chose. On a vraiment fini le livre, ouais, on a fini le livre. Bon, c'est pas grave. Allez, on dort. Et la prochaine fois, chasse, on se remet à genre ventre plein et de l'eau, et on sera nickel. C'est parti.